Messieurs, merci de votre fidélité chez Congo Live. Vous nous suivez partout en République démocratique du Congo. Jeudi 28 décembre 2023. Georges Boni. Madame. Vous allez bien. Vous allez bien. Bienvenue en direct ce matin sur Congo Live. Quelles sont les nouvelles? Et il n'y a pas de nouvelles comme telles. Seulement que nous sommes dans la province du Nord Kivu. Oui. Dans la zone purement. Une zone qui connaît la guerre. Et les nouvelles ne manquent jamais. Si les lignes de front, il y a toujours des nouvelles qui surgissent. Nous avons appris hier avant-hier, que les renégats M23, les sauvages rwandais, ont encore violé pour la énième fois le cessez-le-feu vers Mouchak. Et c'est ça la nouvelle. Et les nouvelles ne manquent jamais sur les lignes de front. Mais sinon, pour la ville de Goma, tout va bien. La ville va très, très, très bien. Et les amis ont tenté de faire des barricades sur les rues de Goma. Quelques 5 personnes, ils ont été chassés par la population de Goma. Coup de chapeau à mon peuple de Goma. Coup de chapeau à mon peuple de Ndosho. Coup de chapeau à mon peuple de Katoy. Vous avez fait votre travail. Vous ne voulez plus que personne puisse venir vous manipuler. Ça, c'est vraiment un esprit patriotique. La police n'a rien fait, mais au moins, on vous a laissé le travail. Vous avez été police de vos propres frères qui sont manipulés par les malheureux des élections du 20 décembre. Mais sinon, il n'y a pas de nouvelles comme telles, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans les Masisi, proches surtout des sacs? C'est ce que je venais de dire tout de suite là. Il y a une violation grave du cessez-le-feu. Qui viole ça? Parce que les M23 violent. Depuis que la guerre a commencé, le gouvernement a toujours été fidèle aux engagements du chef de l'État. L'armée a toujours été fidèle et respectueuse du cessez-le-feu. Il n'y a même pas deux semaines, aux États-Unis, ils se sont attendus qu'il y aura un cessez-le-feu jusqu'au 1er janvier 2024. Mais d'un coup, deux, trois jours après, on viole. On continue toujours à violer. Et voilà, toujours continue même à violer. Même à l'heure où je vous parle, ils continuent toujours à violer. Est-ce qu'il y a des affrontements signalés proches de ça qui est depuis le matin? Bon. Proche de ça que oui, c'est même Mouchak, c'est proche de ça. Même Routchourou, c'est proche de ça. Nous ne pouvons pas dire que comme c'est Mouchak, nous allons directement amplifier. Même Routchourou, même Kishiche, c'est toujours la RDC. Et c'est pourquoi bon, nous disons, il continue toujours à violer. D'accord. Guerre contre les M23. En tout cas, il faut préciser que des troupes sud-soudanaises de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, sont arrivés à Goma depuis le mercredi avec un mandat offensif, à la différence avec la force régionale de l'Afrique de l'Est que les troupes de la SADC remplacent, dit une source militaire congolaise. Les Sud-Africains, voilà, sont arrivés à Goma déjà dans le cadre de la SADC, Georges. Information confirmée. Oui, effectivement, nous avons vu des images, mais nous réservions parce que les images sur réseau, voilà, comme les journalistes venaient aussi de l'affirmer, ouais. C'est bien. Mais nous attendons aussi les forces de la SADC qu'elles arrivent, mais qu'elles viennent faire la différence, comme vous venez de le dire, qu'elles viennent faire la différence par rapport à celle de l'EAC. Mais moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours fustigé, la solution pour nos problèmes, elle est plus congolo-congolaise que de l'étranger. Mais ceux-là qui viennent, quand ils viennent pour nous aider, il ne faut que seulement tendre les mains, venir nous aider. Mais il ne faut pas qu'ils viennent nous aider, tout en voulant aussi nous exploiter. C'est ça le problème. Qu'ils arrivent, qu'ils soient réellement sérieux, que cette force soit sérieuse, comme cela a été prescrit. Mais si elle venait aussi pour faire des manigasses, des velléités, d'hypocrisie, le peuple congolais ne va pas accepter.
SADC, venez faire votre travail qui vous a été mandaté. Est-ce que tous les pays membres de la SADC vont envoyer les troupes? Non. Parce qu'ici, il y a trois pays. S'il faut revenir, si ces pays membres, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Angola. Il y en a trop, plus de 15. Pardon? Il y a aussi la Zambie, le Zimbabwe, la Tanzanie, la République du Congo, les Seychelles, les Swaziland. Pour ne citer que cela. Il y en a de trop. Sauf seulement trois pays qui vont envoyer les troupes. Il y a le Malawi. Oui, et l'Angola. Et la... Non. L'Angola ne va pas envoyer ça. Non. Et la Tanzanie. Pourquoi l'Angola? Pourtant, l'Angola fait partie aussi. Le Malawi, l'Afrique du Sud. Et la Tanzanie. Donc c'est les mêmes choses d'abord, qu'on a vu dans la MONUSCO pour la force des sont d'abord ces pays-là qui sont prêts à envoyer leurs troupes. Les autres pays se réservent d'abord. Mais ces mêmes pays ont envoyé une force encore au Congo la fois dernière, dans les cadres de la MONUSCO, la force d'intervention. Oui. On a vu les Malawi. Dans les FIB, ils ont été là, voilà. Oui, bien sûr. Mais il faut voir comment ils ont aidé Mamadou à chasser les M23 à l'époque. N'est-ce pas, les Sud-Africains? Ils ont fini avec les M23. À l'époque, moi j'ai dit à l'époque, en 2012. Non, ils les ont chassés. Qu'est-ce que chasser ne signifie pas exterminer? Vous savez, vous pouvez me chercher de votre parcelle. Le lendemain, je vais revenir. Ce n'est pas dire que vous m'avez capturé la tête et je ne viendrai plus de sur votre parcelle. Mamadou ne les a que seulement déplacé de la RDC vers l'Angola, vers l'Ouganda et le Rwanda. Et on accepte, c'était aussi avec la contribution la plus grande des accords de Kabila qu'il aurait signé à Kampala dans les tripartites Museveni, Kabila, Kagame. Mais aujourd'hui, contrairement à aujourd'hui nous faisons la guerre sans signature. Et cette guerre finira sans signature. C'est ça la différence. Cette guerre, vous savez, bien sûr, même Poutine a commencé la guerre en Ukraine. Il comptait tenir la guerre à 3 jours, c'est pas 10 jours. Au moins lui, il avance quand même. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans, avec tous les matériels possibles. Et cette guerre, surtout cette guerre que nous avons, monsieur Justin, je vous le jure, je répète cette prophétie de Mlle Laurent-Désiré Kabila. Elle finira de là où elle a commencé. Et ça, c'est juste. Attendons ce qui va arriver. Attendons d'abord que Tshisekedi prête serment, nous allons voir ce qui va suivre. Parce que les gens ont commencé à dire n'importe quoi. Non, il a dit que non, il suffit qu'une seule balle crépite, lui il va faire siège des chambres du Parlement pour déclarer la guerre. Mais qui vous dit qu'il a écarté déjà cette option? Non. Actuellement d'abord, il est plus occupé par les opérations des élections. Mais attendons ce qui va arriver. Et moi, je sais très bien que, et je le répète, je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore hier, souvent les Occidentaux, ils jouent avec les Africains, ils manipulent les Africains, comme Kagame. Mais quand il y a des conséquences avérées, ils cherchent maintenant à se tenir la tête. Et, mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Quelle bêtise nous avons fait? En 1994, c'était presque le même scénario qui se passe aujourd'hui. Mais il faut voir les conséquences de ce qui est arrivé jusqu'aujourd'hui. En 2 jours, on a exterminé plus de 800 hommes. Pourquoi? Au Rwanda. Et cette malheureuse histoire va risquer encore d'être répétée. Et cette répétition, maintenant, ça sera encore plus grave parce que ça sera entre les deux pays. Ça, je vous l'ai dit. Mais jusque-là, c'est le Rwanda qui prend de l'avant. Parce non. C'est lui qui est sur le sol congolais. C'est, hein. Ni de manière formelle. J'ai dit, apparemment, on peut dire que c'est le Rwanda qui a une avance. Oui. Mais dans le fond, c'est le Rwanda qui perd beaucoup d'hommes dans cette guerre. Bon, en fait, perdre l'homme et avoir apparence de vouloir peut-être circuler sur notre sol. Les hommes sont, n'est-ce pas, au Rwanda. C'est d'y arriver, c'est d'y être. Vous serez très malheureux. Vous allez même vous inquiéter. Et d'ailleurs, moi, je dirais que Kagame est réellement le premier massacreur du peuple rwandais. Si réellement Kagame a toujours refusé les demandes des Occidentaux, peut-être que le peuple rwandais vivrait peut-être le bonheur aujourd'hui au Rwanda. Mais avec cette guerre,
petite soit-elle ici à Rutshuru. Mais il faut voir au Rwanda comment les gens souffrent. Même les banques ont fermé. Même les salaires, on ne paye plus. Est-ce que vous avez appris un seul jour qu'en RDC, on n'a pas voulu payer les gens parce qu'il y a guerre? Non. Alors, c'est pour vous dire tout simplement que la guerre, c'est ailleurs. Mais, apparemment, au Congo, bien sûr, nous l'acceptons. Mais il faut voir comment nous donnons la mort aux gens qui ne seront même pas payés par l'Occident. Un regret profond. Georges, est-ce que les mots escarmouche, ça veut dire quelque chose? Pardon? Les mots escarmouche, ça veut dire quelque chose? Vous aviez suivi les chefs de l'État qui l'a dit par rapport à cette guerre. Oui. Aujourd'hui, ça divise les Congolais. Ça semble rattraper les chefs de l'État à quelques jours de sa mort. C'est ce que je venais de le dire. Le chef de l'État, quand il parle, c'est comme une loi. Une loi, quand elle est appliquée, elle peut être appliquée dans ses détails, comme elle peut être appliquée dans les bruts. On est tout déjà habitué. En fait, Félix, quand il parle aussi à philosophie. Sans résultat. Et cette philosophie, les gens qui l'écoutent mieux sont ceux qui sont à l'étranger plus que nous. Ça, il faut le savoir. Et les résultats au Congo. Est-ce que vous... Je vais le dire tantôt. Juste, cette guerre, ceux qui ressentent cette guerre, ils sont ailleurs. Et ça, je vous le dis franchement, je pèse mes mots. Essayez de visiter le Rwanda, parler de cette guerre de M23. On vous dira que non, nous sommes en train de. Nous finissons. Turashize. Ça signifie quoi? Tunaisha. Nous finissons. Turashize. On l'a dit ça. Ou quel média difficile non, ça? Non. J'ai dit essayez d'arriver au Rwanda. Demandez une histoire sur la guerre qui se passe en RDC. Ils vous diront à leur langue, Turashize Chane. Donc, réellement, ils finissent. Vous étiez là, on vous a dit ça? En fait, ce sont des voisins. Oui, les voisins. Mais n'est-ce pas que je parle français? Est-ce que je suis français? Tout à fait normal. Est-ce que les voisins vous ont dit ça? Bien sûr. Quand? Pas, et où? Pas une seule fois, plusieurs fois. On vous a appelé au téléphone. Mon Dieu. Croyez-vous que tous ceux-là qui sont au Rwanda sont des ennemis de la RDC? Mais là c'est discret. Non. Il y en a qui sont fatigués, réellement fatigués de la guerre, surtout les mamans. Essayez de vous croiser avec une maman rwandaise, il vous dira, on ne sait pas quel Dieu nous a amené ce Satan Kagame au pouvoir. Imaginez, vous êtes journaliste, tout chaque fois qu'on tue les militaires au front, même des petits garçons de 12 ans, 13 ans, 15 ans, moins de 18 ans, ils sont massacrés au front. Est-ce que réellement ne sont pas des Rwandais? Et quand on les envoie au front, qui doit sentir la lourdeur de la guerre? Les parents, non? Que moi j'ai toujours rencontré, les parents disent vraiment, Tunaisha, Turashize Chan, Turashize. C'est-à-dire, c'est grave au Rwanda. Et moi j'ai dit, Kagame finira par perdre même son pouvoir et sa vie à cause de cette guerre. Je ne suis pas prophète du malheur, mais ça pourra arriver un jour. Un conseil que je pouvais donner à Kagame est de se faire, de revoir la méthode de devoir peut-être collaborer avec son homologue à Kinshasa. Pas par la guerre, imposer peut-être un dialogue. Ça n'arrivera jamais. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'atouts qu'il peut utiliser. S'il peut, par exemple, aller, je ne sais pas, à New York, demander à Félix, aide-moi à parler à Félix que je vais finir avec la guerre, mais je voulais qu'on commence des nouvelles relations autrement, avec tout le respect possible. Ça pourra arriver, et il n'y aura même pas de problème. Et les peuples rwandais, les peuples congolais seront à paix. Mais dire qu'il va juste chaque fois venir avec la guerre, il n'y parviendra jamais. Et jamais, jamais, jamais. Jamais, croyez-moi, je suis à Goma, je suis à quelques mètres du Rwanda, mais je vous dis ce qui est réel. Il y en a qui ne connaissent pas Goma. Moi, nous, à Goma, nous vivons à quelques mètres du Rwanda. Et les Rwandais savent très bien que le peuple congolais est très, 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 très mécontent du pouvoir de Kagame. Thank you.
Pas seulement moi parce que je suis sur le micro, mais au moins tout le peuple congolais vraiment n'aime plus Kagame à cause de cette manière de faire les choses. Et alors, un jour, ça pourra percuter. Et merci Georges. Les choses les plus mauvaises seront liées aux élections vécues au Rwanda. Il faut dire que la publication des résultats ici des élections chaotiques, c'est l'homme des Occidentaux, bien sûr, se poursuit au Congo. Georges, qui met en première position le président sort suivi de l'autre. Ça se fait. Maman. Justin, au moins toi tu es journaliste. Les choses sont en train d'être relayées devant les caméras des journalistes. Comment vous? Ces élections mettent en première position les chefs de l'État. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Mais quand vous dites, qu'il est le dernier. Non, on n'a pas dit Non. Les élections qui mettent en première position les élections. Les résultats ici des élections chaotique qui met en première position le chef de l'État, Félix Tshisekedi, suivi sous pas de l'opposant Moïse Katumbi. Georges, d'abord, l'élection du président Tshisekedi, s'il vous plaît. Moi, je vais d'abord demander une question à toute l'opinion. Vous allez me répondre peut-être à une box. Qu'est-ce qui signifie chaotique? Il faut poser la question aux Occidentaux. À tout le monde, même à vous. Qu'est-ce qui signifie chaotique? Parce que moi, je sais très bien que le chaos signifie. Vous êtes abattu, vous n'avez plus de force. Donc vous êtes déjà par terre, à boxer. Il y a un chaos quand on vous frappe un chaos, c'est-à-dire un seul round, vous n'êtes plus à mesure même de vous lever. Mais quand on parle de chaotique, moi je me demande, qu'est-ce que signifie chaotique en réalité? C'est le résultat des élections. Nous sommes à Goma, nous avons voté tous. Ici, tout le monde ici a voté. Qu'est-ce que signifie le chaos? C'est pas tout le monde. Non! Nous devons respecter aussi nos institutions. Parce que le Congo nous appartient tous. Et quand nous parlons des bonnes choses du Congo, c'est pour le bonheur de tous les Congolais. Mais quand vous parlez de mal du Congolais, c'est-à-dire vous voulez même prendre même Georges, même George, tout le monde. Qu'est-ce qui explique la réélection du président Tshisekedi? En fait, en dépit des villages jugés noirs, si Tshisekedi a été réélu par le peuple congolais, c'est parce que le peuple congolais a remarqué en lui réellement un chef, un Congolais et surtout un travailleur à l'intérêt du peuple congolais. Ça, on appelle Tshisekedi. Donc Tshisekedi, lui, c'est d'abord un chef qui reconnaît réellement l'existence de son peuple. Ouais. C'est un chef qui se promet réellement qui travaille oui. pour l'intérêt de son peuple. Quel peuple? Qu'on appelle congolais, okay. y compris Justin. Oh. Je le répète, je l'ai toujours dit. Si vous n'êtes pas congolais, bon, tant pis pour vous. Mais moi, c'est très bien que vous êtes congolais. C'est-à-dire quoi? Mais on n'oublie jamais ses origines. On restera d'origine. Non, oui. Bon, vous pouvez être Rwandais, français, américain, mais vos origines sont congolaises. Oui, c'est comme les enfants du C'est pourquoi, Justin Tshisekedi travaille pour son peuple congolais. D'abord pour nous de l'Est, moi de Goma. Oui. La première chose qu'il a déjà faite à moi, oui. c'est cette que moi j'appelle à mes propres mots, cette colonisation rwandaise qui n'existe plus actuellement. Parce que pour le régime Kabila, nous étions réellement colonisés par les Rwandais. Exemple, toutes les troupes militaires étaient dirigées par les sujets rwandais. Tous les postes stratégiques dans la ville de Goma étaient réellement occupés par les Rwandais. Et nous disons, il y a quelqu'un qui vient et qui a même la force de chasser ces gens-là et commencer à placer des Congolais que nous sommes. Ça, automatiquement, il a renversé cette donne que nous appelons la donne de la colonisation. Chaque fois que vous voyez sur cette route, moi je voyais au moins plus de 10 reprises aller-retour chaque jour des jeeps, des militaires qui n'étaient que remplis des Rwandais.
Moi, je me disais, ça, je dis la vérité. Au moins, c'est Rwanda libéré encore. Moi, je voyais les Rwandais. Tout le monde avec leur nez. Tout le monde, imagine. Bon, je peux citer même les noms. Non, non. J'ai cité les noms, mais c'est qui s'appelle. D'accord, merci Georges. On va finir par la question, s'il vous plaît. Un mot pour les sites qui font, on a registré des cinquantaines de morts suite à des catastrophes. Bukavu également dans les Mwenga. Non. Ce qui s'est passé à Bukavu, vraiment, je ne vois pas pourquoi. Les autorités doivent quand même raisonner en double. Ce qui s'est passé à Bukavu, c'est vraiment. C'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Mais aussi, j'attribue la grande faute. La grande faute, je l'attribue au peuple bukavien. Il cherche anarchique, disons, de l'urbanisme. Le morcellement des parcelles. Mais c'est l'État qui autorise tout ça. C'est pourquoi il dit que les autorités doivent raisonner en double. Ils doivent placer. Déjà des cadastres de l'urbanisation qui sont réellement à la hauteur de leurs tâches. Et il faut d'ailleurs délocaliser cette ville. Pourquoi ne pas la délocaliser, la mener vers Moudaka? C'est aussi bien. Il reviendra d'ailleurs pour y réfléchir. Merci, Georges. Oui. Numéro de téléphone. Oui, nous sommes en contact au plus 243 979 27 31 68. Merci, numéro présidentiel. Merci, Georges. Vous serez tout prêts pour être président. Bye bye.